المنظمين هذه الدورة العالمية الدولية في علوم الرياضة وعلوم كرة القدم. سوف أقدم لكم محاضرة بعنوان مستوى الحديد وفيتامين B12 في حالات فقر الدم لدى لاعبي كرة القدم ولدى الرياضيين بصفة عامة، وسوف أقدمها بطريقة مختلفة عن ما يتم تقديمه بالعادة، لأننا سوف نتطرق إلى أمور دقيقة مثل التغذية الدقيقة والتغذية الوراثية. سوف أشرح أحاول الشرح شرح هذه المصطلحات. أعتذر من السادة الناطقين باللغة العربية والأساتذة الناطقين باللغة العربية، لأنني سوف أقدم هذه المحاضرة باللغة الفرنسية لعدة دواعي، منها توخي الدقة في شرح بعض المعطيات والمفاهيم التي لست متمكنا منها 100% باللغة العربية، ولكن سوف أحاول أن أترجم. أنا قمت بترجمة عنوان المحاضرة وعناوين المحاور، وهذا سيمكنكم من متابعة. أحاول أن أقدم بعض الأشياء باللغة العربية، بإمكاننا النقاش في جلسة النقاش بعد المحاضرات، بإمكاننا النقاش باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. أوكي. Donc, je vais présenter cette conférence sur le statut en fer et vitamine B12 dans le cas d'anémie du footballeur et donc dans le cas de l'anémie du sportif en général, selon une approche micronutritionnelle et nutrigénétique. Alors, l'approche micronutritionnelle, elle est assez connue, surtout par les spécialistes de la nutrition. Il s'agit d'utiliser des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des micronutriments en général, des acides aminés, des acides gras, etc., soit la prévention ou le traitement de certains troubles métaboliques. L'approche nutrigénétique, par contre, elle est un peu moins connue puisque c'est une nouvelle science, une science émergente. C'est l'application de la génétique, de la biologie moléculaire et de la biochimie métabolique sur la nutrition. Et on trouve aussi la génétique sportive aussi, où on pourra peut-être en discuter un peu plus tard, où on a des choses très intéressantes en application sur le sport de haut niveau. Et donc, le but de cette conférence, c'est de vous donner un petit peu une idée générale sur ce qu'on peut faire en micronutrition et en nutrigénétique, surtout dans le domaine sportif et du football. Donc cette conférence a été conçue au départ, donc j'avais réfléchi à cette conférence parce que j'avais rédigé déjà une revue de la littérature avec des collègues sur ce sujet, donc l'anémie par carence martiale. L'anémie par carence martiale chez le footballeur, mais chez les sportifs de haut niveau en général. Et donc, ça a été soumis à publication, c'est en cours de publication. J'avais organisé il y a quelques mois une session de formation à Alger, à Zerpalda, avec j'avais donné cette formation qui a duré 3 jours, et donc parmi les participants il y avait docteur Gleimi qui est membre de la commission médicale à la FAF, et donc qui m'avait donné l'information que comme quoi les footballeurs algériens étaient extrêmement carencés en fer et qu'il y avait un gros problème à tous les niveaux d'ailleurs dans ce sens-là. Et donc pareil aussi, donc lors d'une commission de la FAF aussi, il y avait donc la commission médicale qui avait présenté que plus du tiers des joueurs étaient atteints d'anémie. Cette conférence-là. Donc,
سأحاول الترجمة لإخواننا الناطقين باللغة العربية. هذه المحاضرة تم تحضيرها بعد التشاور والحديث مع أخصائيين في الطب الرياضي هنا في الجزائر، منهم الدكتور غليمي الذي حضر إحدى، ولهذا السبب هو حاول أن يشرح لي المشاكل التي لاعبي كرة القدم بالخصوص الجزائريين. دكتور أمين، فوالا اكزاكتومون، دقيقة برك. دكتور عبد اللطيف كاظم، نعم، حمزة غضبان، من فضلك وقف الميكروفون تاعك، من فضلك الميكروفون واصل. أمين، افتح الميكروفون تاعك واصل. اوكي، هذه المحاضرة كما سبق وشرحت أنها تركز على معطيات في الميدان هنا في الجزائر، أنه أكثر من ثلث لاعبي كرة القدم هنا في الجزائر هي معطيات تم استقاؤها من الرابطة الجزائرية أو الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، أنه أكثر من ثلث من لاعبي كرة القدم يعانون من مشكل فقر الدم ونقص في الحديد والفيتامين B12. Ok, donc on va commencer par des considérations. Je vais essayer de faire vite parce qu'on a que 30 minutes. Donc on va commencer par des considérations générales sur l'anémie. Donc en gros, l'anémie c'est quoi? C'est une diminution en dessous des valeurs de référence du taux d'hémoglobine. Donc on a les valeurs de référence à peu près qui varient légèrement selon les différents laboratoires, donc inférieur à 130 grammes par litre chez l'homme, 120 chez la femme et chez la femme en dehors de la grossesse, et 115 chez la femme enceinte, et puis inférieur à 120 femmes de plus de 70 ans. Donc les signes, en réalité, donc les premiers signes se manifestent, peuvent être interprétés de différentes façons. Donc on a la lassitude, la fatigue, asthénie, etc. Concrets, donc irritabilité, nervosité, tendance à la dépression, etc. Et puis on a d'autres signes un peu plus avancés qui pourraient faire penser à une anémie. Donc c'est pas des signes non plus spécifiques à l'anémie, mais c'est des signes qui pourraient nous orienter vers plusieurs pistes, dont la piste de l'anémie, donc troubles de la contraction musculaire, dont, par exemple des contractures ou même des micro-blessures comme des courbatures ou autres, réduction de la capacité à l'effort, difficulté à s'entraîner, baisse des performances, etc. Ce sont des signes qui sont très similaires aux signes du surentraînement en réalité. Ensuite, on a donc quelques données sur l'anémie de l'effort, donc qui est, on le sait maintenant, l'anémie du sportif, elle est quasiment toujours ferriprive, donc par carence martiale. Donc la baisse de la ferritine et la perturbation des marqueurs associés donc précède une diminution de l'hémoglobine. Donc c'est un marqueur, donc la ferritine est un marqueur qui pourrait être un marqueur prédictif d'une carence ou d'une diminution du taux d'hémoglobine. Donc si on a une carence en ferritine pendant quelques semaines, on aura certainement, indéniablement, en fonction du statut métabolique de la personne, si le statut inflammatoire et l'inflammation est trop élevée ou d'autres facteurs, donc on aura une diminution du taux d'hémoglobine. Donc la première chose à regarder, c'est la ferritine. Donc la B12, B9, B6, B1, vitamine C, mais là j'ai résumé un petit peu. B12, c'est extrêmement important, comme on va le voir juste après, avec les voies métaboliques de la B12 et du fer. Ça fonctionne avec le fer.
Et très souvent, on néglige en réalité la supplémentation en B12 parce que la B12, on en a des stocks extrêmement importants qui peuvent durer d'une année jusqu'à 5 ans. Et donc, quand on va mesurer ou faire une prise de sang pour mesurer la cobalamine, la B12, on va trouver que la B12 est normale malgré qu'il y a une baisse du fer. Donc, si on trouve qu'il y a carence en B12, ça veut dire que le début de déficience et de carence en B12, ça a commencé déjà au moins depuis une année. Donc, quand on supplémente, quand on trouve une carence martiale, il faut supplémenter, bien sûr, en fer et enrichir l'alimentation, etc., comme on va le voir tout à l'heure, mais il faut également intégrer la B12 dans la stratégie de thérapeutique. OK, donc les causes, on en a plusieurs. Donc l'alimentation, donc ça, c'est le truc classique. Puis on a aussi l'activité physique. Donc, on a un certain équilibre entre alimentation et activité physique. Si on a une alimentation assez riche et qu'on a une activité physique qui dépasse les capacités métaboliques du sujet ou que le sujet est en surentraînement, on aura quand même une déficience en micronutriments, notamment le fer B9, B12. Et sinon, donc il y a un équilibre entre alimentation et activité physique ou intensité ou charge d'entraînement, disons. Donc ensuite, on a la transpiration excessive. Donc on a un point d'inflexion lorsqu'on regarde les courbes d'évolution des pertes du fer par la peau, par la sudation. On a un point d'inflexion qui se dessine en général autour de 80 km par semaine, donc en termes de kilométrage moyen hebdomadaire. Et ça, on le retrouve chez les sportifs en général, ce n'est pas le footballeur précisément. Donc, augmentation d'excrétion urinaire par hyperthermie. Également, et donc on va voir aussi que l'hyperthermie va participer aussi à quelque chose qui est très souvent négligé, qui est la réaction de Fenton, qu'on va voir tout à l'heure. Prise de certains médicaments, okay, donc ça c'est pas tout le temps le cas, mais il y en a certains sportifs qui sont traités par des anti-inflammatoires non stéroïdiens et autres. Donc dégradation des globules rouges, et ça c'est assez connu. Dégradation des globules rouges suite à des chocs provoqués, des micro-chocs provoqués par la pratique. Par exemple, des micro-lésions, des capillaires de la plante des pieds lorsqu'on court ou lorsqu'on frappe quelque chose, par exemple comme le ballon ou des micro-traumatismes subis à l'entraînement. Là, il y a une dégradation d'une certaine quantité d'hémoglobine. Alors, quand c'est pas très souvent le cas, donc c'est pas très significatif, mais quand c'est le cas, donc notamment ce qu'on remarque ce qu'on trouve dans les entraînements intenses, les bi-quotidiens, etc., où la charge d'entraînement est élevée, donc là, ça devient un facteur significatif. Ensuite, on a la mauvaise absorption de la B12 et du fer, et donc des autres éléments aussi. Donc ici, on va parler que du fer et de la B12. OK, donc on va parler maintenant de l'absorption intestinale de la vitamine B12. L'imtissas al-ma'awi, la vitamine B12. Donc la vitamine B12, donc on sait que elle passe par une étape extrêmement importante au niveau de l'estomac. Parce qu'il y a donc production de ce qu'on appelle le facteur intrinsèque qui va se lier à la vitamine B12 pour favoriser son absorption, mais il n'y a pas que le facteur intrinsèque, il y a plein d'autres éléments qui participent depuis la bouche jusqu'à l'ilion, donc la partie de l'intestin qui va absorber la B12. Donc pour résumer, on a des molécules, différentes molécules, comme par exemple la transcobalamine 3, donc la transcobalamine 3 qui est un transporteur de la vitamine B12 qui est sécrétée ou synthétisée par les cellules salivaires. Donc on a formation du complexe transcobalamine 3 B12 au niveau de la bouche, ensuite passage au niveau de l'œsophage et ensuite au niveau de l'estomac, et arrivé à l'estomac, on aura un pH très bas, et donc cette baisse du pH va casser le complexe transcobalamine 3 B12, et donc il va y avoir formation d'un autre complexe qui est transcobalamine 1 B12,
12. Et donc, la production du facteur intrinsèque se fait en même temps. Je dis bien la production et non pas la liaison à la B12. Donc, ça se fait en même temps au niveau de l'estomac. Donc, passage ensuite au niveau du duodénum. Au niveau du duodénum, on va avoir donc une augmentation du pH en raison des sucs pancréatiques et biliaires. Et à ce moment-là, on va avoir le complexe transcobalamine 1 et B12 qui va être cassé. Et donc, il va y avoir la B12 qui va former un complexe avec le facteur intrinsèque. Donc, ce complexe passe plus bas au niveau de l'intestin jusqu'à l'ilion. Et au niveau des ilions, on a un récepteur qui s'appelle la cubuline. Donc, ce récepteur, c'est le récepteur de la transcobalamine 1, ou plutôt du facteur intrinsèque. Donc, le facteur intrinsèque va se lier à ce récepteur et la vitamine B12 va être absorbée donc, par passage transmembranaire. Et de l'autre côté de la membrane, on va retrouver la transcobalamine, la transporter jusqu'au foie. Alors, au niveau maintenant de l'organisme, on a la transcobalamine 2 et la transcobalamine 1. Donc, pour le transport des stocks de B12 des cellules jusqu'au foie ou du foie jusqu'aux cellules. Pourquoi le foie? Parce que le foie, c'est l'endroit où il y aura le plus gros stock de B12. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'en fait, dans l'approche nutritionnelle et dans l'approche nutrigénétique, en fait, on regarde... Je vais l'expliquer un peu plus tard, il y a une slide qui l'explique. On regarde en fait sur les gènes qui codent, parce que pour chaque protéine, donc que ce soit transporteur, enzyme, récepteur, etc., on a des gènes qui codent pour ces enzymes. Et donc ces gènes-là, s'ils sont mutés, ce qu'on appelle un SNP ou Single Nucleotide Polymorphism. Donc, ces SNP-là, ils vont déterminer le taux de synthèse de ces protéines. Donc, si on a un gène qui fonctionne bien et qui n'est pas muté, on va avoir un taux suffisant de transcobalamine 3, par exemple. Mais si on a, au niveau du gène qui code pour le facteur intrinsèque, si on a un gène qui est muté pour le facteur intrinsèque, on va avoir des niveaux plus bas de facteurs intrinsèques pour toutes ces protéines-là. Et on réalise ce symbolique pour voir là où ça cloche et quelles sont les solutions qu'on peut donner. Par exemple, si on a un problème au niveau de la transcobalamine 3, on peut résoudre ça en donnant du lithium, parce que le lithium stimule la production de la transcobalamine 3. Si on a un problème au niveau de la cubuline, qui est le récepteur au niveau des lions du facteur intrinsèque, à ce moment-là, on donne le calcium. Si on a un problème au niveau de l'estomac, par exemple, par rapport au facteur intrinsèque, la production de facteur intrinsèque, à ce moment-là, il faut bien traiter la problématique de l'acidité gastrique, c'est que le pH n'est pas assez bas. Et à ce moment-là, il faut donner des cofacteurs qui permettent de synthétiser plus d'HCl au niveau de l'estomac, etc. etc. Donc, chaque endroit ou chaque protéine qui soit elle est synthétisée de façon accélérée ou ralentie peut être soit ralentie soit accélérée selon ce qu'on veut par des cofacteurs et des mécanismes qui sont connus. Ok, donc ici on a quelque chose d'extrêmement important. Donc j'aimerais bien expliquer certaines choses ici sur cette slide et on reviendra après sur les autres slides. Donc là, on a plusieurs formes moléculaires de vitamine B12. Alors, il y a certaines formes qu'on retrouve au niveau de l'organisme et il y a d'autres formes qui sont purement synthétiques et qu'on retrouve uniquement sur le marché. Donc, ces quatre formes, bien entendu, on les retrouve sur le marché. Et donc, la forme synthétique la plus mauvaise et celle qu'il ne faut jamais prendre, c'est la cyanocobalamine. Ensuite, on a la forme méthyl et hydroxy. L'hydroxy aussi, c'est une forme synthétique, mais qui a la même efficacité que la méthylcobalamine. Et puis, on a la dénosylcobalamine. La différence entre la méthylcobalamine et la dénosylcobalamine, c'est que la méthylcobalamine se retrouve au niveau de la cellule, c'est-à-dire à l'intérieur du cytosol, à l'intérieur du cytoplasme. Alors que pour l'adénosylcobalamine, on la retrouve dans la mitochondrie. Donc, si on veut augmenter les taux de B12 au niveau de la mitochondrie, et on va voir juste après qu'est-ce que ça fait au niveau de la mitochondrie, à ce moment-là, il faut donner de l'adénosylcobalamine.
On peut donner les autres formes, mais on aura plus d'efficacité en donnant de l'adénosyle. La méthyle, c'est pour améliorer la méthylation ou le statut en méthylation. Pour l'hydroxy, c'est une forme standard qui a un bon rapport qualité-prix et qui fonctionne aussi bien que la méthyle. OK, donc ici, on parle de méthylation de la cobalamine parce qu'en réalité, la vitamine B12 qu'on prend, elle est inactive. Elle est complètement inactive. Donc, quand on la prend, elle passe par ce que j'avais expliqué, donc toute la voie d'absorption. Et puis, en passant par l'ion et donc en étant absorbée, elle va être convertie au niveau du foie en méthyle. Donc, quand elle rentre au niveau de la cellule, elle va être convertie en méthyle. Même si on donne de la forme méthylcobalamine, donc le groupement méthyle sera dissocié, ça sera uniquement de la cobalamine qui va être liée à son transporteur, la transcobalamine 2, et ensuite elle va pénétrer au niveau de la cellule et elle va être reméthylée encore. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est extrêmement important. Si vous regardez au niveau, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais en bas à gauche, vous avez 5 MTHF, et donc ça, c'est la forme bioactive de la vitamine B9. 5 méthylène tétrahydrofolate. Et donc, en réalité, c'est pour vous montrer que la cobalamine ou la vitamine B12, elle est méthylée, donc elle est activée dans ma cellule par le biais de la vitamine B9. Donc, on ne peut pas donner de la vitamine B12 sans donner un apport suffisant de vitamine B9. Donc, la B9 active la vitamine B12. C'est une molécule de B12 pour une molécule de B9. Donc, pour une molécule de B12 activée, on a une molécule de B9 qui est déméthylée ou consommée. OK? Alors, on peut donner de la B12 et de la B9 ensemble, mais même si on donne de la B12, le corps va aller chercher la B9 là où elle est. Mais si on donne des quantités trop importantes de B12 ou pendant de longues périodes, on va tomber en carence de B9 parce que ça va utiliser le stock de B9 qu'on a. OK, donc ici, c'est aussi un autre schéma extrêmement important qui montre l'implication de la vitamine B12. Et ça explique un petit peu pourquoi la B12... quand on donne la B12 à, par exemple, à un sportif quelconque, un coureur, surtout des coureurs de fond en Algérie utilisent beaucoup la B12, ou les cyclistes même. Donc, quand on donne la B12, on a un surplus d'énergie. Pourquoi? Parce que la B12, en réalité, elle active et elle fait tourner le cycle de Krebs. Donc, ce que vous voyez en jaune ici, intracellular adénosylcobalamine. Donc là, on est dans la mitochondrie, parce qu'on a la forme adénosyle et qu'on parle du cycle de Krebs. Ce que vous voyez en rouge, en ovale, en rouge, en bas à gauche, là, à droite plutôt. Donc, Energy Production in TCA Cycle. TCA Cycle, c'est Tric Carboxylic Acid Cycle, ou le cycle de l'acide citrique, ou le cycle de Krebs. Et donc, la vitamine B12, en fait, elle participe à la formation du succinyl-CoA, qui est l'un des métabolites du cycle de Krebs. Donc, ça fait tourner le cycle de Krebs, tout comme le fer, d'ailleurs. On a une slide juste après qui montre le cycle de Krebs et là où intervient la B12 et le fer. On va la voir après. Donc, la vitamine B12 est extrêmement importante pour le sportif dans ce sens-là. Ça intervient dans plein d'autres éléments aussi, notamment au niveau du cerveau. Ça augmente les performances cognitives, etc. Il y a plein d'autres choses qu'on ne pourra pas voir ici. Mais retenez juste que pour le cycle de Krebs, la vitamine B12 est un activateur. Autre information aussi très intéressante, c'est qu'on observe chez certaines bactéries ou certains animaux que la B12, un manque ou une carence de B12, va inhiber complètement le cycle de Krebs. Et chez certains bactéries ou animaux, on va voir une inversion du cycle de Krebs qui va tourner dans le sens contraire. OK, donc ici... Donc, on a quelques explications que j'ai tirées de certaines études qui comparent en réalité les différentes formes de vitamine B12. Donc, la méthylcobalamine, elle est intrinsèquement, en termes d'efficacité et d'efficience métabolique, elle est intrinsèquement supérieure à la cyanocobalamine. Qu'est-ce que vous trouvez ici écrit? ME cobalamine, c'est méthylcobalamine, et l'autre NCCBL, c'est cyanocobalamine. Okay, donc on a une excrétion plus importante
de la cyanocobalamine trois fois plus importante que la méthylcobalamine, donc une excrétion urinaire. C'est pour ça qu'il ne sert pas grand-chose de tester uniquement les dosages et les niveaux de vitamine B12 dans le sang, de cobalamine dans le sang, parce que c'est tout à fait normal. Si vous avez une absorption normale par voie orale, je dis bien une absorption normale de vitamine B12, et que en plus de ça, et que vous allez ensuite, une heure après, mesurer le taux de cobalamine, vous allez trouver que le taux de cobalamine sanguin a augmenté, ce qui est tout à fait normal. Par contre, ce qu'on ne mesure pas souvent, c'est l'excrétion urinaire. Si on absorbe 500 microgrammes de B12 et qu'ensuite on excrète 450 de microgrammes et qu'il reste que 50 mg, ce n'est pas une bonne affaire. Alors que pour la méthylcobalamine, elle est beaucoup plus efficace, donc elle passe mieux au niveau de la cellule. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser de la méthyl que la cyanocobalamine. Maintenant, c'est assez compliqué parce que la forme standard de B12 qu'on trouve chez le pharmacien automatiquement, quand vous demandez de la B12, il vous donne directement de la cyanocobalamine. Et d'ailleurs, c'est la seule forme existante sur le marché par voie injectable. Bon, aussi, on a, donc, comme je l'avais déjà expliqué, une équivalence en termes d'efficience métabolique entre la méthyl et l'hydroxycobalamine. Et puis, on a aussi un autre élément extrêmement important, c'est que l'adénosyl est en général transporté par la transcobalamine 2, alors que la méthyl est transportée plutôt par la transcobalamine 1, mais aussi un petit peu par la transcobalamine 2. Donc, cette information nous permet en réalité de déterminer le choix entre l'adénosyl ou la méthylcobalamine. Donc, si par exemple, on a le gène qui code pour la transcobalamine 2 qui est muté et qu'on a un niveau bas de transcobalamine 2, à ce moment-là, il faut choisir la méthylcobalamine par rapport à l'adénosylcobalamine. Ok, donc là, c'est un petit schéma qui résume un petit peu les différentes formes et comment qu'elles agissent, etc. Bon, ça, c'est... J'avais déjà expliqué un petit peu. Donc, la méthylcobalamine, elle fonctionne plutôt au niveau de la cellule, donc à l'intérieur du cytosol. L'adénosylcobalamine, elle passe plutôt au niveau de la mitochondrie. Et puis, on a l'hydroxy et la cyanocobalamine. Donc, toujours, l'hydroxy, elle est plus efficace que la cyanocobalamine. Mais les deux, en réalité, passent à des niveaux différents. Passent soit au niveau du cytosol et en partie aussi au niveau de la mitochondrie. On va voir maintenant l'absorption du fer. L'absorption du fer... Elle passe par différentes étapes et par différents transporteurs. Donc, notamment, on a des transporteurs sur lesquels on a des SNP ou des mutations qui sont assez fréquentes. Donc, on a par exemple le DMT1, ce que vous voyez ici. Donc, dans du fer, okay, le fer réduit, Fe2+. Et puis, on a un autre transporteur aussi qui est le cytochrome B, okay, ce que vous voyez ici, D-site B, okay, juste au-dessus du DMT1. Donc, ces deux transporteurs, en fait, ils déterminent la capacité de l'entérocyte à absorber du fer. Alors, une information importante ici, c'est que le fer qui est absorbé, c'est toujours du fer réduit, du Fe2+. Le fer oxydé, Fe3+, lui, il est uniquement converti en fer réduit. Et donc, cette conversion ou cette réduction se fait par le biais de l'acide ascorbique ou la vitamine C. C'est pour ça que quand on prend de la vitamine C, on a une augmentation, une potentialisation d'absorption du fer. Donc, on a aussi d'autres éléments. Donc, on a
la ferritine, qui est ensuite qui se retrouve aussi dans l'entérocyte, mais qui se retrouve en plus grande quantité au niveau du foie. C'est pour ça qu'on a une plus grande capacité de stockage du fer au niveau du foie. Et donc cette ferritine, c'est la protéine qui va permettre le stockage du fer. Okay. On a ensuite des transporteurs qui vont servir de transport au niveau de l'entérocyte, comme la ferroportine par exemple. Et puis ensuite, on a la transférine aussi, et on a d'autres protéines. Ce qui est important aussi, c'est de parler par rapport à l'hepcidine. Donc l'hepcidine, c'est une protéine extrêmement importante. Si le gène qui code pour l'hepcidine est muté et que son taux de synthèse est bas, on va avoir des pertes très importantes de fer de la cellule et donc une excrétion plus importante. On a des personnes qui ont une tendance à une élimination plus importante du fer plus que d'autres. Et c'est dû en partie aussi à l'hepcidine. Donc, en règle générale, tout ce qui permet la conversion du fer oxydé en fer réduit va favoriser l'absorption du fer, notamment les sucres, les acides aminés et la vitamine C. Et puis ensuite, on a aussi des éléments qui vont empêcher l'absorption du fer. On a les oxalates, les phytates, les phosphates, etc. Ce qu'on retrouve, par exemple, les phytates, les phosphates qu'on retrouve dans les céréales ou les oxalates qu'on retrouve aussi un petit peu dans la viande aussi ou un petit peu aussi au niveau des céréales, parfois au niveau aussi des épinards en fonction des régions. Et puis, on a le zinc. Alors, le zinc n'a rien à voir ici par rapport à la conversion du fer oxydé en réduit. C'est plutôt parce que le zinc emprunte en réalité les mêmes voies métaboliques d'absorption. Et c'est ce qui crée une compétition. Okay, donc, quand on veut prendre du zinc et du fer, il ne faut pas les prendre en même temps. Il faut laisser au moins 2 heures à 3 heures entre les deux prises. OK. Bon, ok, maintenant on va parler un petit peu des voies métaboliques du fer, et là c'est extrêmement important, s'il y a quelque chose à retenir, c'est bien ça. Il y a plusieurs voies métaboliques sur lesquelles intervient le fer. Je ne vais pas parler de l'intérêt du fer dans l'hémoglobine, le transport de l'oxygène, du CO2, etc. Donc tout ça c'est connu. Là je vais vous rajouter une autre information par rapport à l'activation du cycle de Krebs. Donc, on avait vu tout à l'heure l'intervention de la B12, donc ce que vous voyez tout en bas, là, écrit en rouge, B12, au niveau du succinyl coenzyme A. Donc là, c'est l'un des métabolites du cycle de Krebs. C'est en réalité le 5e métabolite du cycle de Krebs. Et puis, le fer, en réalité, intervient dans la conversion du citrate en isocitrate. Okay, le citrate qui est le premier métabolite du cycle de Krebs. Ensuite, on a le cis-aconitate et ensuite l'isocitrate. Et donc, ces deux réactions sont catalysées par une enzyme qu'on appelle l'aconitase. Et l'aconitase, elle a comme, entre autres, comme cofacteur le fer. Elle a aussi comme cofacteur le glutathion. Donc, le fer intervient entre autres. Donc, quelque chose extrêmement important chez le sportif, c'est l'activation du cycle de Krebs. Et donc, c'est pour ça que quand on combine fer et vitamine B12, donc on a le cycle de Krebs qui fonctionne à plein régime. Alors, avant de passer à ce schéma, j'aimerais dire quelque chose. Par rapport à l'utilisation du fer par voie injectable, ça c'est assez connu. Je ne sais pas pourquoi dans certains endroits, même en France, ils utilisent le fer injectable de manière excessive. Mais le fer injectable est réservé uniquement, je dis bien uniquement, pour des cas très spécifiques, pour des cas très rares où l'apport en fer par voie orale ne permet pas une augmentation suffisante des réserves de fer. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Et donc à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut utiliser le fer par voie injectable, soit par voie IM, soit par voie IV. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le fer par voie injectable, donc outre les capacités physiologiques de métabolisation du fer, quand on augmente, pas uniquement par rapport au fer, mais pour tous les autres micronutriments, quand on augmente drastiquement les quantités d'un micronutriment, notamment ici le fer, il va y avoir un déclenchement d'une vague d'élimination. Et donc, on va éliminer
plus de fer que ce qui va être stocké. Bien entendu, lorsque vous faites une prise de sang, vous allez trouver que le taux de fer augmente, ou qu'il a augmenté, ou qu'il est dans la normale, etc. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fer au niveau sanguin. Bien sûr, il y a une corrélation entre le fer au niveau sanguin et au niveau cytosolique. Et ce qui nous intéresse réellement, c'est le fer au niveau de la cellule. Et donc le mieux, c'est d'utiliser le fer par voie orale. On a certains effets secondaires, comme les plus souvent des chocs anaphylactiques, par exemple, les chocs anaphylactiques, ou certains d'autres effets secondaires, une fatigue, etc., des réactions pseudo-allergiques, etc., dans à peu près une personne sur quatre. Et donc, c'est pour ça que le fer par voie injectable, il doit être utilisé avec grande précaution. Il y a des protocoles, il y a plusieurs protocoles bien, bien précis sur le dosage, la quantité, le type, la forme de fer, etc., qu'il faut administrer. Et probablement que dans certains cas, on a besoin aussi d'administrer des médicaments comme des antihistaminiques, par exemple, en cas de choc anaphylactique. Et donc, c'est pour ça que la prise de fer, ça c'est extrêmement important à signaler, doit se faire uniquement par voie orale. Donc, par voie orale, il n'y aura jamais de problème d'effet secondaire. Autre chose aussi encore plus grave, lorsqu'on prend du fer par voie injectable, et alors là, je parle toujours par rapport à une prise de fer non contrôlée et qui n'obéit pas à des protocoles bien précis, spécifiques de dosage, etc. Donc, on aura des troubles ou des dérèglements métaboliques par un excès de stress oxydatif. Et donc, cet élément-là n'est pas ou n'apparaît pas ou est asymptomatique plutôt. Donc, si on revient ici à ce schéma, donc le fer augmente ce qu'on appelle la réaction de Fenton. La réaction de Fenton, c'est celle que vous voyez au milieu à droite. Donc, réaction de Fenton. Donc, la réaction de Fenton, en réalité, c'est une conversion, c'est la conversion du fer réduit, donc le fer bioactif utilisé pour l'hémoglobine, pour le cycle de Krebs, etc. On va le convertir, on va l'oxyder en combinaison avec le peroxyde d'hydrogène. Alors, avant de parler un petit peu de la réaction de Fenton, on va parler des différents radicaux libres. Donc, vous avez tout en haut l'oxygène, l'O2, l'oxygène qu'on respire, donc qui va passer au niveau des mitochondries. Et au niveau de la mitochondrie, il va servir d'oxydant pour pouvoir produire de l'ATP. Et donc, à partir de cet oxygène, dans certaines conditions, je ne pourrais pas tout expliquer ici, mais disons que dans certaines conditions métaboliques, donc il va y avoir formation de ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules qui ont un pouvoir destructeur ou qui vont dénaturer les membranes, les protéines, l'ADN, etc. Et donc, l'anion superoxyde, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, donc O2-. Donc là, l'anion superoxyde est très important, est un radical libre très important qu'on voit en biochimie métabolique qui n'a pas des effets destructeurs très importants, mais ces effets destructeurs viennent de manière indirecte en produisant de l'H2O2, qui est un autre radical libre, qui est un peu moins destructeur que l'anion superoxyde, mais qui a la capacité de sortir de la cellule, donc de détruire les membranes cellulaires de l'extérieur. Ensuite, donc ces deux-là, ils ne posent pas de problème. Donc, l'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène, ils ne posent aucun problème parce qu'on a des enzymes qui sont spécialisées dans l'élimination de ces radicaux libres, dans la transformation de ces radicaux libres en H2O, donc en eau. Donc, l'anion superoxyde est converti par la superoxyde dismutase en H2O2, donc peroxyde d'hydrogène, et ensuite, le peroxyde d'hydrogène est pris en charge par la glutathion peroxydase et la catalase. Maintenant, si on a un excès de fer,
Et donc là, je parle toujours par rapport au protocole de injectable, de fer injectable. Donc, si on a un excès de fer, c'est-à-dire que si le fer a déjà été utilisé un petit peu partout, il a été, une partie a été stockée, une partie a été mise dans l'hémoglobine, une partie intervient dans la cellule pour le cycle de Krebs, etc. Et donc, si on a un excès, en plus, cet excès, il va venir ici former ce qu'on appelle un radical hydroxyle. Un radical hydroxyle, c'est la conversion d'un radical libre qui s'appelle le peroxyde d'hydrogène en radical hydroxyle qui est extrêmement destructeur. Et vous pouvez regarder dans les études qui existent actuellement, 80% de l'effet destructeur du stress oxydatif est dû au radical hydroxyle. Et donc, cette réaction de Fenton, elle va être activée ou active, elle est déjà active chez tout le monde, mais à des niveaux très bas, et donc à des niveaux qui sont maîtrisables par la cellule, par les différentes enzymes antioxydantes. Mais quand ça augmente considérablement par un excès de fer et ou par une augmentation de la température corporelle, ce qu'on retrouve chez le sportif le plus souvent, à ce moment-là, on va avoir une augmentation très importante de formation du radical hydroxyle. Et donc là, on n'a pas de symptômes en réalité, c'est du stress oxydatif. Et le stress oxydatif, à la longue, il va produire différents types de maladies, notamment des maladies d'origine mitochondriale, des troubles métaboliques, neurocognitifs, etc. Ok, j'espère que j'ai encore un petit peu de temps. 5 minutes, ok, bon, c'est ok. Ok, donc les formes, les différentes formes qu'on a, on a des formes inorganiques, donc ces formes-là, ils ne servent à rien, en gros. Docteur Amin Ghasmi. Oui, oui. Je vais t'emprunter 10 minutes de ma okay, présentation. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, formes inorganiques, donc en gros, pour résumer, ils ne servent à rien. On a soit certaines formes comme l'oxyde de fer, par exemple, qui est utilisé dans certains médicaments, dans certains compléments alimentaires et même dans certains produits agroalimentaires pour donner de la couleur, parce qu'on a trois types d'oxyde de fer, le rouge, le noir et le jaune, donc selon la coloration, le type de coloration qu'on veut. On a par exemple le sulfate de fer ou le chlorure de fer qui se vendent comme ça en complément pour leur effet laxatif, mais en gros, il n'y a pas d'effet métabolique important. Maintenant, on a les formes organiques solubles qui sont par exemple le citrate, le malate, l'isophosphate, lactate, pidolate, aspartate, gluconate, fumarate, etc. Donc ces formes organiques sont les formes les plus intéressantes à utiliser puisque ce sont des formes qui sont reconnues par le métabolisme et qui sont transportées, qui sont que en gros le métabolisme et la cellule, l'organisme peut les manipuler. Donc c'est le cas d'ailleurs pour la plupart des minéraux et oligoéléments. Les formes inorganiques ou minérales ne servent à rien. Pour certaines formes, elles s'absorbent très bien, mais elles sont très vite éliminées par les reins. Mais les formes organiques solubles sont très bien utilisées par la cellule, quelle que soit la forme. On a par contre une spécificité par rapport au citrate et au malate. Le citrate et le malate, ils ont un effet anti-acidifiant. Et puis on a aussi par rapport à une spécificité par rapport aux malades, c'est il a un effet plus important au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, parce que le malade a une capacité de passage à travers la membrane hématoencéphalique ou la barrière hématoencéphalique qui est plus importante que tous les autres acides carboxyliques. Ensuite, on a d'autres types de formes qui sont des formes optimisées pour l'absorption, qu'on appelle les formes aminocomplexées, glycinate, bisglycinate, et en général, c'est le bisglycinate qui est bisglycinate de fer qui est le plus répandu sur le marché en termes de compléments alimentaires. Et donc, c'est le bisglycinate, c'est la meilleure forme de fer si on ne cherche pas d'effet anti-acidifiant. Je parle ici d'effets anti-acidifiants au niveau de la cellule, okay, pas au niveau de l'estomac ou au niveau du système digestif. Ok, ok.
Donc, maintenant qu'on a vu toutes ces notions de base sur les voies métaboliques de la. On voit tout ça en réalité. C'est en fait l'approche micronutritionnelle et génétique, c'est de passer des aspects théoriques les plus extrêmes aux aspects pratiques les plus concrets. Donc, on fait des liens par rapport à ce qu'on voit au niveau des voies métaboliques, aux cofacteurs, aux enzymes qui fonctionnent, aux enzymes qui ne fonctionnent pas, etc. Et ensuite, on dessine un schéma métabolique. Et donc, à partir de ce schéma métabolique, on sait que cette personne a besoin de telle forme de B12, de fer, etc., que cette personne, elle métabolise bien tel type de molécules, etc., que cette personne, elle a par exemple un stress oxydatif plus élevé naturellement, elle a une méthylation plus basse naturellement, etc. Et donc, on agit en fonction de ces données. Donc ici, je vais vous faire, c'est pas, même pas une introduction, mais c'est quelques mots sur l'analyse de la complexité métabolique, donc le principe de base en nutrigénétique. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est, disons, un résumé d'un résumé de ce qu'on connaît sur les réactions métaboliques, ou disons un schéma général, un résumé, du mais voir les détails, mais c'est juste pour vous montrer la complexité qu'il y a derrière. Et puis, donc, le principe de base, ou le postulat de base, c'est que, en nutrigénétique, c'est que pour chaque protéine, quelle qu'elle soit transporteur, enzyme, récepteur, constituant d'une membrane, etc., on a un gène qui code pour. Donc le gène X code pour la protéine X, et ainsi de suite. Comme on a vu tout à l'heure avec le facteur intrinsèque, par exemple, qui est produit au niveau de l'estomac et qui permet le transport de la B12 au niveau de l'intestin. Eh bien, on a un gène qui code pour le facteur intrinsèque. Et donc, dans la population générale, on a des formes mutées de certains gènes. C'est-à-dire, c'est le même gène, avec le même code génétique, avec la même fonction, dans le même emplacement au niveau de l'ADN, mais il se trouve qu'il y a une seule base nucléique qui est différente. En gros, quand on regarde au niveau du code génétique d'un gène, T, A, G, G, etc., arrivé à un certain emplacement, hop, normalement ici il y a un T, on appelle ça un SNP ou un single nucleotide polymorphisme ou un polymorphisme génétique d'un seul nucléotide. Okay? Et qu'on peut appeler aussi mutation par abus de langage, vu que les mutations génétiques sont très rares. Par définition, alors que les SNP sont assez répandus au niveau de la population. Et donc, on a des SNP comme ça pour chaque protéine qui vont soit accélérer la production de cette protéine, soit l'inhiber. Et donc, si on a cette capacité à comprendre disons, la vitesse de production d'une protéine, on va déterminer comment qu'une voie métabolique fonctionne. Et donc, on va déterminer comment qu'une réaction biochimique va fonctionner. Et donc, on va déterminer l'effet ou on va prédire l'effet biologique qu'il y a derrière. Exemple très pratique selon ce qu'on a vu. Si, par exemple, on a une transcobalamine 2, le gène qui code pour cette transcobalamine 2 est muté. Et cette mutation ou ce SNP va produire un ralentissement dans la production de la transcobalamine 2. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que la transcobalamine 2 se retrouve dans deux endroits. Premier endroit, au niveau de l'intestin, juste après la barrière intestinale pour pouvoir transporter la B12. Donc là, il y a un problème. Donc la B12, ici, ne va pas trouver assez de transcobalamine 2. Et on sait aussi que ça se retrouve au niveau de la mitochondrie. Ça veut dire que la B12 aura du mal à rentrer au niveau de la mitochondrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces deux cas? Première chose, calcium pour la partie intestinale. Donc, quand on donne plus de calcium, qui est un cofacteur de la cubuline et de la transcobalamine 2 au niveau intestinal, on va augmenter la synthèse de transcobalamine 2. Et puis, pour la mitochondrie, eh bien, on va donner tout simplement une autre forme de B12, qui est la méthylcobalamine, au lieu de donner, par exemple, la
cyanocobalamine ou l'adénosylcobalamine. Donc, pour pouvoir transporter la méthylcobalamine par la transcobalamine 1 et non pas la 2 qui est déjà mutée, etc. Donc, pour résumer, on a le gène qui code pour une protéine, la protéine qui intervient dans une réaction biochimique, soit par transport, soit par catalyse, soit etc. Ensuite, on a un effet biologique. Et donc, on appelle ça une voie métabolique. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse de la complexité métabolique. OK. Donc, en gros, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Vous avez soit des gènes qui sont mutés, qui vont inhiber certaines voies. Donc ici, vous avez la carte de métro de Paris. Et donc, c'est comme si c'était une carte de métro ou une carte de route, une carte routière d'une ville. Et certains endroits sont bouchés, donc il faut prendre un autre raccourci pour arriver au même endroit, etc. Il faut prendre un vélo, il faut prendre une moto, il faut prendre un autre raccourci, il ne faut pas passer du tout par cette rue, il faut prendre une autre, etc. Donc, c'est un petit peu la conception de l'approche nutrigénétique. Donc, quelques propositions très généralistes, et ce sont des propositions micronutritionnelles et non pas nutrigénétiques, parce que là, on a besoin de choses plus spécifiques pour pouvoir donner des recommandations spécifiques et individualisées pour chaque personne. Donc, on a bien entendu quelque chose d'extrêmement simple, enrichir l'alimentation en fer, B12, B9, ça c'est bien, vitamine C, etc. Donc, ça c'est très bien, il faut le faire. Aussi, il faut supplémenter ou préférer une supplémentation par voie orale, fer, B12, etc., quelle qu'elle soit, pour ne pas déclencher des vagues d'élimination trop fortes. Préférer les formes organiques par rapport au fer, comme on avait dit, bisglycinate, etc. La forme cyanocobalamine, il faut l'éviter tout simplement. Associer au fer plutôt, dans le cas d'anémie, la B12, mais aussi d'autres éléments cofacteurs comme la B9 aussi, qui permet la méthylation de la B12 et donc son activation au niveau de la cellule. Et donc, ici, je tiens encore à préciser que la B12 doit absolument, obligatoirement être donnée en combinaison avec le fer, même si les taux de B12 sont normaux. On ne va pas attendre que les taux de B12 chutent au niveau sanguin, parce que si c'est le cas, c'est-à-dire que la personne, elle a commencé déjà ou elle a entamé déjà son l'épuisement de son stock de B12 depuis déjà au moins une année ou plus. Utiliser, donc ici c'est pour les moyens diagnostiques, les marqueurs sanguins, bien entendu, ils sont importants, mais il ne faut pas se fier uniquement aux marqueurs sanguins. Vous avez aussi les marqueurs urinaires, les signes cliniques qui sont extrêmement importants. La clinique, elle est extrêmement importante. Vous pouvez avoir un marqueur qui est au top au niveau sanguin, mais que le patient est cliniquement en carence en ce micronutriment ou cette vitamine. Et puis ensuite, si possible aussi, une analyse métabolique complexe, comme on a vu tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin d'analyse génétique ou de marqueurs extrêmement poussés. La nutrigénétique est avant tout un raisonnement avant que ça soit de l'analyse métabolique complexe basée sur des marqueurs génétiques et métaboliques, etc. Donc, c'est un raisonnement. Donc, on pourra discuter après dans la phase de la période de discussion, et je vous remercie pour votre attention, et donc je m'excuse encore pour les اعتذر عند الإخوة الناطقين باللغة العربية على هذا الإلقاء باللغة الفرنسية، الإلقاء البحث باللغة الفرنسية. بارك الله فيك دكتور.